Bonjour et bienvenue sur le premier épisode de la saison 2 du défi Sir Thomas. Donc je rappelle brièvement les règles, c'est du hardcore sur une graine bien spécifique, toujours la même. On est donc en difficulté difficile. Il faut essayer de faire un max de progrès tout en survivant. Voilà. Alors moi, mon objectif, ça serait quand même d'arriver au moins à la moitié des progrès, donc au moins 31. Au début, je me disais, oh, ça va être facile. Mais en fait, au premier essai, tu te rends compte que bah, j'ai été jusqu'à 21. Et puis pouf. Voilà. Alors ça, Sir Thomas, c'était... Bah, de toute façon, je peux plus y aller sauf en spectateur. C'était la saison 1, c'était le premier essai. Donc, on va se créer un défi Sir Thomas. Mode de jeu hardcore, plus d'options. La graine, c'est la planète des cires. Structure, oui. Type de monde par défaut. Commande, non. Coffre bonus, non. Et c'est parti. Donc je démarre le minuteur. Donc dans les premiers épisodes, je pense qu'il n'y aura pas d'ellipse. Quasiment pas d'ellipse. Donc là, je pense que tout le temps du live, je vais enregistrer les premiers épisodes pendant le live. Ça va être du direct. Mais après, je vais. Hop, ça y est, c'est parti. Je vais probablement. Et c'est bon, c'était là qu'on était arrivé la première fois. Je vais probablement faire du minage optimisé, des choses comme ça. Donc autant que. Pas vous embêter avec ça pendant les épisodes, puis pendant les lives surtout. J'arrive, ouais, j'aime bien aussi cette série de défis, mais je suis tellement nul que je reste quitté à chaque fois. Ouais, faut persévérer quoi. Au début, j'étais. Bon, pas sur cette série, mais au début où j'ai joué à Minecraft, c'était un peu une catastrophe avec les mobs. Encore pire que maintenant en fait, c'est ça que je veux dire. Allez, on capte tout le truc, on va se faire... on va essayer de trouver tout de suite le village, mais... Le truc de base, hein... ça commence bien. Bon, c'était le premier... En fait, c'est fait exprès, hein. On va se faire... une pioche... une pelle... Une épée. Hop, les trucs de base. Ah non, et une hache. Si on veut se retaper un peu de bois. Oui. Pas assez de bois. Hop. Si on peut au moins récupérer ça. Ouais, ça commence. Ouais, je préfère des petits fails comme ça que des fails mortels et définitifs. Est-ce qu'on cherche tout de suite de la cobble? Ouais, parce que dans le village, de toute façon, on trouvera rien. Ce qui aurait peut-être été bien, c'est de chercher des moutons. Et déjà un. Ouh là là. Je le note. Déjà un progrès, l'âge de pierre. Bon, ceux-là, c'est les plus faciles. Hein. Salut, reboot. J'aurais bien aimé trouver un petit peu de charbon, mais ça, il y en a juste en dessous du patelin, je crois. Hop, 14. On va déjà pouvoir s'améliorer un peu le stuff. Les premiers outils, c'est juste pour dire quoi. Après, on les refait tous. Hop. Il n'y a que l'épée. Hop, hop, hop. Et une pelle. Et deuxième progrès. La qualité supérieure.
J'aurais pas récupéré ces machins-là. Et on va chercher le village. Alors le village, il était en hauteur. Salut Gilles. J'espère que ça va mieux ton mal de tête. Hop. Ah oui, les buissons, on pourrait s'en servir pour faire une protection autour du village. Oh, un champi. Mais pourquoi je ramasse des champis, moi? Un petit traumatisme. Et surtout, attention au boom. Hop, alors... Il est où ce maudit village? Ça serait bien d'y arriver avant la nuit pour avoir un lit. Oh, un petit renard. Coucou petit renard. Oh, il se sauve même pas celui-là. Ah, le marais. Est-ce qu'il y a encore le PNJ dans le marais? Non, là c'est un... Donc normalement le village, il doit être là-bas. Ce serait bien de tomber sur des rouges. Parce que là c'est que du marron. Hein. Épée en bois pendant toute l'aventure? Ouais, chiche. Les poulets, on va peut-être pas les tuer tout de suite. Ah, de la canne à sucre. Et on va peut-être en replanter. Donnez-moi des graines. Hein. Ah, des câbles, hop, hop. Deux graines. Je vais tout de suite me faire où ils sont. Oh bah. Eh, il y a une vache là-bas. Ah, ils sont là-bas. Eh, les poulets. Cote, 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 cote. Où elle est ta copine? Vous étiez à deux tout à l'heure? Oh là 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 là. Bon bah tiens, un œuf. Ah, ils sont là. Nickel. Allez, viens prendre ta petite graine. Poup. Poup. Oh là, ces petits pommes mignons. Maintenant, je vais pouvoir vous dégommer. Et un troisième progrès. Ah oui, c'était il fallait en accoupler. Alors, animaux à reproduire. Les poules, c'est fait. Ah, eh bien, disons, déjà trois progrès. Alors, la vache, elle est là. Oh, il y a même deux vaches, plusieurs vaches. Oups. Bon, c'est bon à savoir. On viendra les chercher un petit peu plus tard. Et le village, normalement, il est là-haut. Oh, il y a même un chien. Enfin, un loup. Un loupin. Je crois que c'est un loupin. Ouais. Bon, on va falloir se procurer des os. Non, il était pas là-bas, le... Il était pas là-haut, le village? Oula. Peut-être falloir arrêter de glandouiller, là. Alors. Ça tryhard. D'un autre côté, je crois que c'est... Ah non, peut-être pas le... Il y a de l'amour dans l'air, mais H de pierre et qualité supérieure, si tu les as pas dans la première 5 minutes, ça va mal finir. Bon, incapable... je suis peut-être pas sur la bonne graine, hein. Incapable de retrouver le village de l'autre côté du marais, là. Oui, parce que de toute façon, il était au pied du marais, donc s'il est pas d'un côté, c'est qu'il est de l'autre, hein. Oh là 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 là. Hop. Oula. Ah vache, comment j'ai atteint sans me piquer? Oups. Donc il serait par là. Il va peut-être pas falloir qu'on traîne de trop. Ouais. C'est déclinant, hein, tout ça. Hop, hop. Zut. Donc là, il y a du mouton, il y a du cochon.
Et voilà le village. Ouf. Avec le PNJ et ses trois petits. Voilà, c'est ça. Salut les pépères. Bon, j'ai à manger, j'ai déjà une émeraude. Je vais même pouvoir commercer avec. Hop. J'ai de la graine de citrouille. On va la planter. Eh, oh! Petit teigneux là. Il y a un océan pas loin. Ça, c'est quoi? Ah, c'est une table de cartographie. Eh, et un champignon. Et ça, c'est la maison d'où après il se jette, hein. Oh, vache, le RP. Le RP est mort, hein. Et il n'y a que trois maisons dans ce village. C'est quand même un village. C'est bien d'avoir un village, mais bon. Oh, bah ça sert à rien d'avoir des. des graines de citrouille. Hein. Pouvoir se faire des. Par contre, il n'y a rien d'autre. Hein. Donc il y a deux maisons, point barre. Ah, il y a des cartes vierges. Et du papier. Bah ça, j'avais laissé tomber le dernier coup, hein, la carte vierge. Hop. Ah, faudrait que j'en prenne une. Finalement, je sais pas si elle va m'être très utile. Il est où l'océan? Oh là là. Bon, il va faire nuit. Je vais aller taxer un lit. Allez, allez, petit sauvage. Il y a un lit là. Oh non, il n'y a pas de lit. Oh vache. Il y a qu'un seul lit dans tout le village. Ah, je me rappelle que je m'étais protégé comme ça. Bon, on va aller. on va aller piquer le lit des gosses. Hein. Parce que là, ça va craindre. Il y a deux lits. Et il est où le deuxième lit? Encore là-haut? Non, là, il n'y a pas deux lits. Allez, on se lève. On se lève la marmaille. Je vais me mettre. Voilà. Oh, puis en plus j'ai un progrès. 4 progrès. Oh, yo, le père il est pas content. Hein. Allez, dégagez les gosses. Ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Faudrait qu'on se trouve du fer. Ici, à ce niveau-là, il faudrait qu'on se trouve du fer. Au niveau agriculture. Le monde est plein d'amis et de nourriture. Et au niveau aventure. Partons à découvrir tous les biomes. Ah, j'ai déjà 4 biomes. Ah oui, j'ai dû faire le marais. Je suis actuellement en taïga. Donc marais c'est swamp. Et taïga. Hop. Salut Calypso. Kounezer. Ouais, bah ouais. On va aller. Faudrait que je me fasse une échelle pour monter. Comme ça, ils monteront pas. Ils viendront pas m'enquiquiner. Et surtout, ils arrêteront. Parce que le dernier coup, en fait, ils n'arrêtaient pas de chuter. De choir. Voilà. Bon, ce qui serait bien, pour, au niveau du RP, ça serait d'avoir, on est d'accord, autant de piles que. Qu'il y a de côté. Mais ça. Alors, pop, pop.
J'aurais peut-être pas besoin de 9, mais bon. Oh oh! Calypso, bonne chance pour ce défi et merci de le partager. Eh ben, un gros bisou à toi. 4 mois. Un gros bisou, merci pour le soutien. Par contre, ouais, la descente, j'aime pas forcément, moi. Ok, ben on va aller se chercher du fer. Alors, ouais, j'aurais peut-être pu stocker des trucs. Donc, pour l'instant. Ça, on va le laisser là. Et le reste, on l'emmène. Alors, il y avait un endroit... Enfin, il y a une grotte. Mais il faudrait du charbon. Parce que c'est bourré de zombies en bas, hein, si je me souviens bien. Et la grotte, était... Ouais, par ici, ouais. Mais il avait une... Oh, bah, il y en a là, du charbon, tiens. Pas beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Hop. Il y a déjà de la bestiole là-dedans. Oula, il y a déjà du squelette et tout. Oui, j'ai pas de bouclier. Hein. Alors, il était où son truc qu'il avait percé, le roi Sir Thomas? Ta-ta-ta-ta. Ça traversait tout le truc. Après, le village, il est pas énorme, hein. Salut Fredo, je suis pas mort. Bah allons, toujours vivant, toujours debout. Ah, je retrouve pas le. Il me semblait qu'il y avait un coin où il y avait du charbon facile. Salut Duckenwood. C'était ici. Ah, il n'y avait peut-être pas l'arbre devant en fait. Ouais, c'était ici, il n'y avait pas. On va quand même. Alors les minerais génèrent peut-être pas toujours au même endroit avec la même seed. Ah si, bah si. Parce qu'il me semble que. Le sens de l'orientation de Z fait peur. Alors on va prendre tout le charbon, comme ça on va pouvoir se faire des torches. Et puis on va descendre dans les cavernes. Hein, On va pas, ce coup-ci, je pense qu'on va pas partir tout de suite vers la mer. Bon, j'ai 25 charbons quand même. Hein. Il est pas mal ce petit trou. Il m'a déjà mis un cœur et demi. Ah, le sauvage. Bon, j'ai mangé des baies sucrées. C'est dangereux de rester là. S'il ressort. Hein, on est d'accord.
Donc, aliments consommés, baies sucrées. C'est ici. Après, je vais pouvoir manger du pain. Alors, on va se faire un petit champ. Ah, quoique, non, pour faire un saut. Ah, je pourrais faire le champ près de la flotte. Quelle heure il va être? Je pourrais faire mon premier champ près de la flotte. Comme ça, j'aurais pas besoin de saut de. Starblade est tout moche. Il va y passer. Et salut, Odea Luna. Bienvenue à toi. Hop. Alors, on va se faire une table de craft. Les tables de craft, c'est pas gênant d'en avoir partout. On va se faire une houe. C'est bon, on peut en faire une. Je vais peut-être prendre une épée en. C'est vrai que l'épée en bois, ça fait un peu. Et c'est la fin du premier épisode. Eh ben, vous verrez si on réussit à faire un champ au deuxième épisode. Au revoir, à bientôt. Toujours debout, toujours vivant.